Il a épousé la vérité, il a épousé la justice, il a épousé l'amour. Ce n'est pas par hasard que Père Isia, qui est curé par Martyr Saint-Jean-Baptiste, il est directeur de justice avec la paix, nous espérons à l'avenir. Père Kabin a toujours un grand responsable de la justice et paix. Pour le capable de faire justice avec la paix, qui c'est ça que te prend la vie Jean-Baptiste là, rayonner côté nouillé, côté nous à vivre. Le sens de la vie de Jean, de son ministère, de sa vocation, de sa mission, est de montrer aux hommes la splendeur de la vérité. Et donc la fête de Saint-Jean-Baptiste de ce matin doit devenir une fête formidable, un moment extraordinaire et mémorable de renaissance et d'espérance pour chacun, pour l'Église, pour la communauté de Bidouze, pour toute la région d'Anip et aussi pour tout le pays. Nous-mêmes, chrétiens, bon Dieu, mandez-nous pour nous camper droite en mettant une société qui a plongé vers le bas. Une société qui pensait que délivrance, c'est en fait des bagailles sous-côté, bagailles qui pas correct, qui pas bon. Jean-Baptiste, malgré doute et incertitude, il était gagné sous Jésus comme Messie qui s'est cousin. Il voulait demander Jésus, est-ce que c'est où ou bien est-ce que nous devons être nous l'autre? Jésus dit, regardez, monde qui malade, yo guéri, ça qui est en prison, délivré, monde qui est cocobé, yo remarché, monde qui est couché, yo debout, et tout le monde reprend la vie, gon l'autre espérance pour pauvre, et je comprends, mission le fini. Frère Maxime, yo mission chrétien, yo pas facile. En pile fois, nous imaginez nous que parce qu'on est chrétien, tout bagaille doit marcher. Non, parce qu'on est chrétien, il y a des forces qui liguent, qui contrent, qui montent contre nous, et nous devons comprendre. C'est la fidélité à Jésus-Christ, c'est le marcher après lui, c'est vivre réalité nous comme chrétiens, nous capables de témoigner qui est Jésus. Et nous, ouais, sa lecture, l'évangile matin a montré nous. Le a fêté ou même, ou fait belle bagaille pour être transparent, pour cœur content, pour faire que le monde content, pour rendre tout le monde heureux, pour créer des heureux autour de vous même. Mais nous, ouais, Hérode, inspiré par le démon, le diable, pendant la fête qui s'en fait, il fait Zach malhonnête, couper tête au prophète. Il coupe tête Jean-Baptiste. C'est l'ennemi, c'est le démon, c'est le diable qui fait ça. Le monde qui est un diable, il a fait fête, c'est sacrifice, la vie, le monde fait. Il fait sacrifice bête tout. Mais le monde qui est un bon Dieu, il a fait fête ou fait fête tout, il y a l'autre gens. C'est la distinction. Et bien voilà que Hérode, avec Madame de Yol, a gagné Hérodiade, qu'elle te prend la main en famille, en frère, et que c'est avec Tifian et petite Salomé, ils va le faire, bagaille ça. Alors ça montre nous comment nous-mêmes faisons, nous devons jouer nous l'autre l'esprit. On l'esprit d'innocence, on l'esprit de transparence, on l'esprit de ça qui est correct, de ça qui est droit. Pour faire là, son fait en l'honneur, bon Dieu d'abord, qui pour faire gloire pour bon Dieu. Et c'est raison ça qui fait, nous-mêmes n'avons pas prendre tout. Parce que, en pile fois, tentation capable de faire, pour nous capables de réaliser, il faut éliminer le monde, il faut éliminer la vie du monde, il faut mettre le monde de côté. Je nous ai quelques pouvoirs voulait faire ça, parce que vous voulez montrer ces autres chefs, vous êtes capable de détruire, détruire et détruire encore. Alors c'est pour ça, nous devons toujours nous-mêmes comprendre qui sens bagaille ça a gagné dans la vie nous comme chrétiens. Et nous connaissons. Mensonge, méchanceté, faire victime innocente, c'est pas bagaille, bon Dieu, ab jam accepter, ab jam prendre en main qu'un monde. Nous devons appeler tout le monde à la conversion, particulièrement les leaders qui ne respectent pas la loi et qui plongent notre pays dans le chaos, dans la destruction sauvage, dans l'appui des gangs. M'pa quoi, c'est pas la première fois dans le monde sous la terre bénie, y a un côté, côté gang, fédérés, les gangs se sont fédérés. C'est du jamais vu. Il y a toutes nos plateformes qui ont enregistré le ministère des affaires sociales. C'est du jamais vu. Dans tout le pays, il n'y a pas arrêté bandit. En Haïti, il y a fait une association, une fédération, une plateforme des gangs. Ça me l'est dit. C'est des ordres total capital. Et l'Église n'a pas capable d'accepter ça. La vie petite, bon Dieu, plus important que toute bagaille. Bon Dieu n'a pas créé aucun monde par hasard. Aucun monde n'a pas droit de lever même pour tout le monde jongler. Aucun monde n'a pas fait ça. Là, il y a des gens à terre. Là, il y a des cadavres à terre. Pas de pile à non. Depuis le mois de décembre, il y a été levé
Père Simon li fin célébré à cabinet qui t'a occupé des questions Petro-Caribé. Et puis il net cal la cali la pantré, yo la gué la terre. Elena loué cadavre là était bat père en pile envoyé tout yel. Son bail très grave. L'église t'a déjà dénoncé ça et je dis encore l'enfer ici a puisque c'est un père mémoire li pas jamais passé, nous dit bagaille ça yo c'est assez. Nous pas prendre le manquer de monde. Père Simon li te dit li prêt pour payer la cadavre li, même dit malheur à moun qui va le manger. Yon père en diocèse ça ou bien un père l'en pays a pour capable faire pouvoir plaisir. Ma dichon a tombé sur vous même. Frère Maxime Mio, ça veut dire, même Jean, n'a proclamé la vérité, nous pas prêté le mensonge, n'a prêté l'humilité pour ne pas pointer doigt directement sur aucun monde. Mais chaque monde a conscience de poser cette question. Parce que, les nappes touillées, les nappes crassées, brisées, nous avons pour répondre devant propre conscience par nous, devant bon Dieu et devant l'histoire. Qui ça nous t'a fait? Qui belle œuvre nous t'a quitté? Est-ce que nous pral di moun yo parce que ou moun pas d'accord avec m'lage cadavre li a terre. Bon Dieu Abdou en même place qui est réservé pour toi ou met toi là l'enfer. Et bon Dieu pas vle petit y a l'enfer. C'est pour ça jodi a n'a demandé tout monde rentrer dans la conversion. Changer cœur. Ou te voye éliminer frère. Bon Dieu dis attention. Et nous même chrétiens si par hasard même mon père, même mon Seigneur, si ça t'arrive, bon Dieu t'a baillé permission, connaît. C'est pour une déception. Connaît. C'est pas tout simplement au hasard. Connaît que bon Dieu a autorisation, mais sans chrétien yo, sans guis matirum, c'est même christianoum. Le sang des martyrs est la semence de la vie des chrétiens, de la vie de l'église. Je dis l'église a vint souvent posé les que bagay persécution encore tout bagay OK. Et c'est ça qui fait que l'église a qu'on a envie perdu membre li yo parce que vient décourager, yo entre dans douceur, yo entre dans compromission. L'église toujours pitié, les chrétiens étaient corrects et droits, les yo pas vle wè yo, yo prend l'esprit en main, yo prend mission en main, yo prend vocation en main. Jean montre nous que l'on mourit qu'on soit pas mourir en vain. Ou mourit pour route Jésus-Christ ou à pouvoir en cœur les hommes. Ou mourit pour capable faire moun connait qui est Jésus-Christ. Et pas gen moun qui ka man yon green cheve dans tête ou si bon Dieu pas bal permission. Ça veut dire nous tous chrétiens, Père yo, et nous-mêmes, mon Seigneur, et toutes religieux et religieuses, tout laïc engagé dans l'église là, faut nous reprendre mission nous en main. Réveillez nous chrétiens qui dormi, mettez-nous debout. Peuple attend dans nous, eh bien, direction, éclairage, lumière, livrez pour marcher sous pas Jésus-Christ, non pas pour entrer dans la compromission qu'a fait mourir comme mon peuple parce que le pauvre demain qu'a venu. Saint Augustin, dans la Civitas Dei, la cité de Dieu nous dit, par la foi des martyrs qui vivent avec la vérité et meurent pour la vérité, Dieu nous donne une lumière. On ne recherche pas le martyr, mais on ne peut pas ignorer que le martyr nous permet de nous approcher de Dieu et d'éclairer la conscience de nos frères, nous dit le Saint Oscar Romero. Je dis à venir avec Rad Oscar Romero pour dire nous, Oscar Romero est mort pour ça. Moi-même, je ne vais pas faire chèlbe pour me dire que j'ai besoin de mourir pour ça. Mais si c'est bon Dieu qui t'a dit, eh bien, bah ou même tout, je suis obligé de dire oui, bon Dieu, je suis prêt pour ça. Mon laïc qui t'a éclairé, même de petit, à l'âge de 8, 9, 10 ans, il était le Gérard Duclerville, un laïc catholique qui mourut, il était arrêté en Haïti en 1982, qui passait 40 jours en prison. Laisse ça, je suis un gémrelé, une série de journalistes. Malheureux, Monseigneur Ligondé allait informer de sa crivée parce que m'était ti moun piti, mais bagay là, il arrivait pendant que nous t'a pas animé des bagay comme actif moun yo et dans camp qui t'ai gagné. Et bien Gérard Duclerville t'ai payé de la vie li. L'Elfin lagué parce que peuple va venir en 83, yo disait condition pour yo lagué pour peuple venir, faut que Gérard lagué. Et bien Lena Louis Gérard t'ai transformé. Il pas mourir martyr immédiatement, mais yo t'ai battu li. Yo t'ai tellement battu, qu'on parti dans fesse li qui sorti, qui volait, qui pourri. Et les noirs, ouais, li, yo ballon bagaille, yo le diakoukoul. 70 coups de bâton avec qui il fait la dent dans chaque bord de elle. Et Gérard, les noirs, li changé net, puisque c'est pas même mon nom, li vin tout blanc, alors que son monsieur noir, Neglagona, qui était habité Léogane et qui t'a vivre dans Port-au-Prince, qui t'a commencé des émissions dans Radio Classique, Radio Caraïbe, pour éveiller la conscience des chrétiens. Fais Maxime, je ne dis pas, on dirait l'église nous, comme l'église Pam, l'église catholique nous, hein. Les vins nous disent, j'ai trop dormi. Chrétiens, réveillez-vous. Jésus-Christ, notre Seigneur, attend notre témoignage dans la cité. Moi, mon premier, nous venons pour nous confesser que nous manquons dans une série de bagailles.
Saint Jean 23 disait, si nous pouvons donner au Christ le témoignage du sang, ce serait une grande grâce, un grand honneur et une gloire immense que nous ne méritons pas. Je ne suis pas digne d'être martyr, dit Roméo, mais si le Seigneur le veut et me donne ce cadeau, je dois l'accepter, je vais l'accepter. Devant l'horreur des tueries perpétrées par les gangs armés de notre pays et de son pays, c'est de ce qu'a Roméo disait le 23 mars 1980. Il était pas assassiné le 24 mars 1980. Et il y a deux ans de ça, il y a l'Assemblée du CELAM que la conférence épiscopale, pas nous, tu es mal représenté comme membre CELAM. Eh bien, San Salvador, nous t'es allé sous tombe ça. Et dans l'église, quand tu as tué là, il dit, devant l'ordre de tuer, d'éliminer les pauvres des bidonvilles et les paysans de l'en dehors, donné par un homme, c'est la loi de Dieu qui doit prévaloir. La loi qui dit, tu ne tueras point, ou pas qu'il doit tuer. Donc nous, nous ne pouvons pas accepter avec les gens qui ont tué pour faire mon plaisir. Nous ne pouvons pas prendre des vagabonds, des bandits pour se retourner autorité dans la zone. Nous. Ça va qu'il doit faire. On n'est pas obligé, continue Monseigneur Oscar Romero, on n'est pas obligé d'obéir à un ordre qui va contre la loi de Dieu. Une loi immorale, personne ne doit la respecter. Il faut obéir à votre conscience plutôt qu'à l'ordre du péché. L'Église ne peut pas accepter qu'on tue les gens. L'Église ne peut pas se taire devant tant d'abominations, dit encore Monseigneur Oscar Romero. Il y a trop de massacres, trop de violences. Il y a trop de disparitions, trop de persécutions, tant de souffrances d'innocents. Et Monseigneur Oscar Romero a fini pour le dire. Nous voulons que le gouvernement connaît qu'en quelle action ça y est, qui n'est pas bon, pas jamais fait nous plaisir, et aucune action ça y est, pas capable de contribuer pour faire pays nous aller de l'avant. Et le fini net pour le dire. Au nom de Dieu, au nom du peuple souffrant, dont les lamentations montent jusqu'au ciel et sont chaque jour plus fortes, je vous en supplie, je vous ordonne, au nom de Dieu, arrêtez la répression, dit Monseigneur Oscar Romero. Arrêtez les persécutions, arrêtez l'usage de la force sanglante et la chasse aux sorcières. Nous ajoutons moi-même, arrêtez de mentir au peuple, arrêtez de faire des promesses creuses et vides, arrêtez les propos arrogants et ostentatoires, arrêtez de faire le parlez-moi de ça. Arrêtez de collaborer avec des kidnappeurs et des chefs de gang, des criminels recherchés. Arrêtez d'officialiser le banditisme armé. Arrêtez de diriger le pays par décret. Arrêtez de se moquer des gens. Peuple noir, c'est un peuple mati déjà. C'est un peuple malhéré. C'est un peuple qui n'en traille, qui n'en besoin. Mais peuple ça qui a souffri, il n'y a pas tant de mensonges encore. Je vais arriver pour dire non à toute souffrance liée, pour dire non à tout le monde qui a dit le pouvoir pour tout temps. Peuple-là, pas prendre dictature encore. Peuple-là, pas voulait qu'une force milice sous côté qui a vu une balle l'ordre encore. Peuple-là dit, c'est rare, c'est tard. Le arrivé pour le dire assez à tout le monde qui oubliait pouvoir, c'est dans mes bon Dieu le sorti et c'est peuple qui baille. Voir peuple, c'est voir bon Dieu. Le arrivé pour peuple a dit assez, assez à toute corruption, assez à tout dérapage, assez avec robinet sans que a l'ouvrir pour étouiller même un monde qui a la tête un barreau qui a tout avocat sa yo avec. Assez à tout monde qui a baïti peuple là seulement ti reste ti mango Maryland et k'ap kembe tout pour yo. Peuple a dit li pa vle bagay sa yo encore. Lui mandé pour respecter, pas faire vieille loi, qui mette le sac pi mal, faire garder toujours sac pi bas, mais le vle pour le capable de camper et pour le prendre chemin, résurrection, pour le marcher debout dans l'histoire. Et avec Abraham, peuple haïtien dit, c'est assez. C'est pour bon Dieu bénir nous, frère Maxime, pour nous tourner la caille, nous avons force, pour nous prêts à affronter au nom de la vérité, tout bagaille qui a venu dans la vie nous. Et pour nous dire non à tout ça qui compte plein aimé, plein d'amour, plein excellence, bon Dieu qui est pour le peuple. C'est pour bon Dieu bénis nous, là nos papas, petite là, avec l'Esprit Saint. Amen.
Dieu.